Bonjour Anne-Charlotte, bonjour tout le monde. Je vous propose de terminer la semaine en musique et en lecture, évidemment, avec un hommage à John Lennon. Il aurait eu 80 ans cette année s'il n'avait pas été assassiné à l'âge de 40 ans. Et il se trouve que nous avons dans les Hauts-de-France deux des grands spécialistes de l'œuvre des Beatles, qui sont Dominique Grandfils et Claude Defer. Et ils se sont associés à deux autres spécialistes qui s'appellent Pierre Espoutreil et Jean-Luc Taffaro pour écrire cet ouvrage qui s'appelle donc Number 9, hommage à John Lennon, et qui vient de sortir aux éditions A.O. André Audemars. Alors pourquoi Number 9? Bah tout simplement parce que le chiffre 9 était le chiffre fétiche de John Lennon. Il était lui-même né un 9 octobre. Son fils qu'il a eu avec Yoko Ono est né aussi un 9 octobre. Et le numéro 9 donc hante complètement son œuvre. Donc ils expliquent ça, mais pas que, bien entendu. Et chacun des quatre auteurs rend hommage à John Lennon à travers des anecdotes qui sont liées à un endroit ou à une époque particulière de sa vie. Il y a même une uchronie dans cette dans ce beau livre. Donc c'est passionnant à lire, à découvrir, et c'est une autre manière aussi de prendre conscience de qui était ce personnage. Et pour faire bonne mesure, Jean-Luc Taffaro a publié tout seul, aux mêmes éditions André Audemars, un petit livre qui s'appelle The Beatles, Abbey Road, une notice de lecture. C'est autour du disque uniquement de Abbey Road où il explique morceau par morceau comment il a été créé et comment il faut l'écouter. Donc voilà, c'est passionnant à lire et à écouter en musique, évidemment. Bon week-end, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.